tout, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo d'une nouvelle marque, enfin des produits qui n'ont pas encore de nom. Donc tout simplement j'ai une de mes copines du coup qui s'appelle Cindy, que vous avez déjà vu sur mon YouTube. Donc du coup je prends mon petit papier parce qu'elle m'a fait noter plein de trucs. Donc en fait elle va créer une e-boutique, donc sur internet. Elle va vendre des produits de bain. Donc j'ai un premier jet juste ici. J'ai plein. Elle m'a mis plein de choses que évidemment j'ai payé. C'est parce qu'en fait c'est pour faire un premier jet et pour voir bah, du coup si moi ça me plaît. Et si vous, par exemple, ça vous plairait ou pas d'avoir des produits comme ceci. Ces produits sont vraiment pas chers. Ça doit être entre 1 € et 5 euros, même pas. Voilà, vous laissez lancer là-dedans. Donc, pour l'instant, c'est en cours de... Donc, c'est un projet. Donc, c'est en cours. Donc, la e-boutique est en cours. Elle est en train de les faire là. Les produits, elle est en cours. Elle en a déjà trouvé quelques-uns. Voilà, elle a déjà trouvé quelques fournisseurs que je vais pouvoir vous montrer. Je ne vous donnerai pas les noms de fournisseurs parce que moi-même je ne les connais pas. Et que voilà, je ne veux pas savoir le nom de ces fournisseurs. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'elle a. Voilà, ce qu'elle a mis dedans. Moi j'ai payé à peu près. Il y en a pour plus de 5 euros dedans. Donc voilà, je vais vous montrer petit à petit ce qu'il y a dedans. Et voilà, elle m'a mis des petites choses que moi personnellement. J'aime pas forcément, donc je vais d'abord vous montrer les trucs que moi... Il y en a plein qui adorent ça, mais moi, je n'aime pas. Mais c'est qu'un choix personnel. Je lui ai quand même dit de m'en mettre, parce que du coup, pour que je puisse vous les montrer. Et voilà, donc sachez qu'il faut surtout pas hésiter à me mettre un commentaire en disant ce que vous aimeriez voir sur sa boutique. Voilà, donc je pense que vous allez voir ça. On a déjà vu ça plein de fois, plein de personnes en fait. Donc n'hésitez pas à lui dire ce que vous voulez. Et puis pour pouvoir, pourquoi pas se démarquer des autres marques. Donc voilà. Donc on a des perles de bain. Donc ça, c'est le truc que je suis moins fan. Je vais commencer par les choses où je suis moins fan et finir par les choses où je suis plus fan personnellement. Donc c'est les fameuses billes de bain. Bon, elles ont pris un petit peu cher. Durant le voyage, parce qu'en fait, au lieu de les mettre au-dessus, elle les a mises tout en dessous. Et du coup, bah, ils ont pris un petit peu cher durant le voyage. Donc après, évidemment, l'envoi ne sera pas comme ça. Hein, vous vous inquiétez pas. Là, c'est parce que c'était pour moi et qu'elle me l'emmenait en main propre. Voilà, mais sinon, vous inquiétez pas, l'envoi ne sera pas fait comme ça. Là, c'est juste parce qu'elle me l'a fait en main propre et qu'elle n'avait pas forcément le temps. Déjà, elle me l'a livré vite fait, elle n'avait pas forcément le temps, donc voilà. Je ne lui en veux pas. Donc du coup, c'est des billes de... Enfin, des perles de bain. Donc là, il y en a un. C'est un petit kangourou. Il est trop mignon. Ensuite, on a un autre. C'est une étoile. Voilà. Ensuite, on a une bille de bain qui ressemblait à un espèce de petit poisson. Mais qui a, je pense, explosé aussi. Tout comme lui. Mais c'est pas grave après. Voilà. Et ensuite, le seul qui a survécu et qui a eu un peu de couleur dessus quand même, c'est celui-ci qui est trop mignon. Franchement, je pense que je vais lui en prendre. Dès qu'elle va ouvrir sa boutique, je lui ai dit que j'allais lui en prendre parce que ça, les perles de bain. Mon cousin adore ça, donc c'est pour ça que je lui ai dit de m'en mettre aussi parce que du coup, je sais qu'un de mes cousins adore ça. Donc moi, je vais lui mettre ça dans un petit pochon et je vais offrir ça à mon cousin, tu vois, il sera trop content. Donc voilà, donc du coup, elle aura des perles de bain. Je crois que ce sera à peu près 1 € le perle... La... Enfin, même pas 1 € la perle de bain. Après, à voir avec elle, parce qu'elle va voir avec les prix, tout ça. Ensuite, le deuxième truc, je suis moins fan, moi, personnellement, parce que j'en utilise pas, c'est du savon. Donc, elle aura aussi du savon pur végétal chèvrefeuille, fabriqué en France, BMP. Voilà. Donc, voilà, ce qui est plutôt pas mal. Bon, par contre, il n'y a pas d'emballage, rien. Il faudrait que je lui demande... je pense qu'elle fera un emballage hein, évidemment pour l'envoi, mais je vais lui demander parce qu'en fait j'ai oublié de vous préciser, là c'est un premier jet, c'est des produits qu'elle va vendre sur sa boutique, ok, on est d'accord. Je vais lui demander de me mettre un peu de produits, je vais donner un, enfin, je vais payer évidemment, et donc c'est un premier jet, ok. Ensuite je vais refaire une deuxième vidéo d'ici je pense 1 mois ou 2, même pas.
je referai une vidéo et je lui demanderai qu'elle m'emballe tous les produits pour que je puisse vous montrer tous les produits emballés. Parce que là, ils ne sont pas emballés puisqu'elle m'était donnée en main propre. Mais voilà, pour que ça fasse déjà beaucoup plus commerçant, elle aura certainement des emballages papier, etc. Parce qu'elle va peut-être pas vous envoyer ça comme ça, comme as pour abîmer le savon. Parce qu'en plus, du coup, ça l'a quand même bien abîmé, le savon. Donc ça, c'est un savon pour les mains. Ça, pareil, je ne suis pas fan des savons pour les mains. Ils sont quand même assez gros. J'ai pas forcément le prix en tête parce qu'elle n'a pas encore tous les prix non plus. Elle n'a pas encore fait tous ses prix. Ma lumière, elle m'agace. Je ne sais pas si je peux filmer sans lumière. Ouais, sans lumière, vous voyez. R. Donc, on va remettre la lumière et on va faire avec. Donc, voilà. Donc, un savon. Voilà. Elle a plein de senteurs différents. Les billes de bain, pareil. Elle a plein de senteurs différentes. N'hésitez pas. Ça, je vais l'offrir à mon papa. Je lui ai dit, mets un savon. Je sais que mon papa aime bien. Ensuite, on va continuer par les choses que j'adore. Donc, elle a des sels de bain. Donc, franchement, j'ai été choquée Enfin, j'ai été choquée la grosseur du sac, quoi. Elle m'a mis un sac énorme de perles de bain. Alors, franchement, si elle vend les perles de bain. Wow! J'ai failli tout casser. Si elle vend des perles de bain et qu'elle met autant de perles de bain. Pour un petit prix, franchement, ça vaut grave le coup parce que je vais pas demander combien il y avait, mais parce que du coup, ça vaut grave le coup. Donc ça, c'est des perles, pas des perles de bain, mais du sel de bain, comme du sel, des cristaux de bain, je pense que ça doit s'appeler. Donc voilà, eux, ils sont plutôt bons. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, moi, j'adore, je kiffe, je lui ai déjà dit, évidemment. Ensuite, elle m'a mis 4 petites boules de bain parce que évidemment, elle va vendre les boules de bain. Donc là, elle m'a mis 4 boules de bain ordinaires. Les 4 ont une senteur différente. Hein. Les 4 sentent différemment. Je ne sais plus forcément quelle odeur m'a mis. Mais voilà. En fait, là, c'était vraiment. C'est pas pour vous donner forcément toutes les odeurs que j'ai, machin, parce qu'en plus, on ne peut pas forcément savoir quelle odeur a. Il y a une odeur de mer, une odeur de fruits. Enfin, voilà. Donc je peux pas forcément vous donner, même en vous disant les noms, voilà, on ne peut pas forcément savoir à quoi ça sent, vaut mieux les sentir toi-même. Donc voilà, donc du coup on m'a mis 4 petites perles de bain, ça j'adore, je kiffe. À voir si ça colore bien le bain. De toute manière, je lui ai dit que je lui referai un retour sur les billes de bain, etc. Voir si ça m'a bien plu, si ça a bien mis, si ça a bien coloré le bain et tout. Ouais, je ferai des vidéos et tout. Mais voilà, pour voir si ça a bien coloré le bain. Donc voilà pour ça. Ça, je suis trop contente. C'est sûr que je vais lui en acheter. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, elle m'a mis un nuage. Donc toujours une bille de. Enfin, pas une bille de bain, mais une. C'est une boule de bain. Donc ça se met dans l'eau et ça va fondre et ça va faire la couleur du bain. Et là, elle m'a mis un arc-en-ciel, oui, donc un nuage. Et en fait, dedans, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 couleurs dedans. Et elle n'a pas déjà encore testé parce qu'elle m'a dit dès que tu le testes, tu m'envoies une vidéo et tout. Donc ça, je vais le ramener chez moi parce que du coup, là, je suis à l'appartement, mais je vais le ramener dans ma maison pour pouvoir lui tester assez rapidement et pouvoir lui donner mon avis et lui montrer en vidéo ce que ça donne parce que du coup, je pense pas qu'elle ait tout testé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce qui vous a plu en commentaire. Voilà, j'ai quand même pas mal de sortes différentes. Du coup, elle m'a mis les billes de bain, donc les billes avec de l'huile à l'intérieur. Elle m'a mis un savon. Elle m'a mis une grosse boule de bain en nuage. Elle m'a mis 4 petites boules de bain comme ceci, qui fait des couleurs dans le bain. Et ensuite, elle m'a mis les sels de bain comme ceci. Donc, plutôt pas mal. Il y a plutôt 1, 2, 3. Il y a 4 catégories différentes. Donc, peut-être qu'elle en fera plus, je ne sais pas. Voilà, elle est encore un peu en pleine recherche. Je pense que durant les mois, elle va remettre différents produits sur son site internet. Donc voilà, donc pour l'instant c'est un premier jet. Dites-moi si vous ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir dans une petite boutique comme ça de savonnerie, bain, aux alentours du bain, produits d'hygiène, tout ça. Savoir ce que vous ça vous. Ce que vous. Enfin, ce qui vous tenterait. Voilà, je vais y arriver. Ce qui vous tenterait. Et donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, que moi je refasse le retour.
savoir voilà à peu près ce que vous ça vous ce qui vous plaît. S'il y a des choses qui vous plaisent, dites-moi en commentaire. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, comme moi par exemple les billes de bain comme ceci là où il y a de l'huile à l'intérieur, moi j'aime pas forcément. J'ai essayé hein, voilà, moi j'aime pas forcément, mais voilà, après il faut pour tous les goûts évidemment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si déjà l'ouverture du unboxing vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous, ça vous plairait d'avoir dans sa petite entreprise. Si vous avez d'autres petites idées de produits, pourquoi pas. Voilà. Sachez que ce sera pas très cher. Aussi, sachez que ce sera. Elle va nous donner son ouverture sur Facebook. Donc, moi, elle me refera un petit colis. Je lui ai demandé qu'elle me refasse un petit colis, qu'on fasse comme là. Je lui donnerai des sous, tu vois, évidemment. Et qu'elle me fasse un petit colis pour que je puisse vous montrer sur YouTube. Et comme ça, je mettrai le lien de sa boutique directement sur YouTube. Donc voilà, donc sachez que sa petite boutique est en cours de. Ben, elle est en cours, elle est en train de faire son site internet et tout ça. Donc voilà, donc là c'est un premier jet. Je vous ai montré les premières petites choses qu'elle a. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et à mettre un petit commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!